Quelle ascension. Oh, è così bello qui. C'est ici que ton ordre est né? Il est né il y a des milliers d'années, mais c'est ici qu'il a pu renaître. Grâce à l'homme dont tu parlais, Altaïr? Altaïr ibn Lahad. Il a réformé l'ordre, et il nous a libérés. Il a compris qu'il fallait abandonner cette forteresse. C'était devenu un symbole d'arrogance, un point de ralliement pour nos ennemis. Et l'idée de la capuche menaçante, ça aussi, ça vient de lui? Tu as parlé d'un credo. De quoi s'agit-il? Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est plutôt cynique. Oui, s'il s'agissait d'une doctrine. Mais ce n'est qu'un constat de l'état naturel des choses. Dire que rien n'est vrai, c'est prendre conscience que les fondements de la société sont fragiles. Et que nous devons guider notre civilisation. Dire que tout est permis, c'est comprendre que nous sommes les architectes de nos actes. Et que nous devons en assumer les conséquences, qu'elles soient glorieuses ou tragiques. Regrettes-tu le choix que tu as fait, d'avoir vécu en assassin? Je ne me souviens pas d'avoir eu ce choix. C'est cette vie qui m'a choisi. Pendant 30 ans, j'ai servi la mémoire de mon père et de mes frères, et je me suis battu pour défendre les victimes des injustices. Ma route s'achève ici. Qu'espères-tu trouver derrière cette porte? Le savoir par-dessus tout. Altaïr était un érudit et un auteur prolifique. Il a bâti cet endroit pour qu'il serve de sanctuaire à sa sagesse. Il a vu tant de choses. Et a pris tant de secrets, si étranges et dérangeants. Un tel savoir aurait poussé des hommes plus faibles au désespoir. Cela t'inquiète-t-il? Sophia, tu devrais savoir, je ne suis pas un homme faible. Ezio. Tu as intérêt à ressortir vivant. C'est mon intention. Aucun livre. Aucune révélation. Il n'y a que toi, fratello mio. Requiescat in pace, Altaïr.